Die Pariser Gruppe NTM hat gerade ihr neues Album fertiggestellt. Ich habe vor 3 Monaten habe ich einen kleinen Teil der Gruppe in der Sound Factory Bar getroffen und war ziemlich überrascht festzustellen, dass die Leute ihre Aufnahme in New York machen. Ja, und wir vom Freestyle-Team haben sie in Paris besucht und haben einen kleinen Bericht drüber gedreht. Und was NTM zum Beispiel heißt, das sagen sie euch jetzt. Besser nicht. Ja, ich sag über mich, sag mal, da brennen wir. Moi c'est Joey Star. Moi c'est Kushen et c'est le groupe Supreme NTM. On est tous les deux rappeurs lead et c'est le Supreme NTM. Seul dans la pénombre, avec mon passé, cherchant à me remémorer les joies, les raisons pour lesquelles j'encaisse la monotonie de cette vie. Plus désarmé qu'au premier jour. Les années blanches de ma jeunesse se sont laissées posséder. Quant au futur, j'ose même pas y penser. Ce qu'on essaie d'exprimer déjà en premier lieu, c'est le malaise des cités, quoi. Au départ, c'était ça. Puis après, d'écrire un peu la couche sociale d'où on vient, tout ça, quoi, qui est entre la middle class et l'autre, quoi. Et avant tout, on nous dit hardcore parce que je pense qu'on est très réaliste dans les propos, quoi. Tout a commencé sûrement le jour où je suis né, le jour où je n'ai pas croisé la bonne fée qui aurait fait de moi ce que je ne suis pas, ce qu'il m'arrive d'envier parfois, ce que la vie a doté d'une chance. Mais moi, malheureusement, voilà, je n'en suis pas là. Et privé de ça, pour qui devrais-je mener un combat? De toute façon, pas la peine, je connais la rengaine, mais j'en ai pas la force. Le premier maxi qu'on a sorti, ça parlait un peu des émeutes qui pouvaient y avoir à cause du malaise. Et je crois que déjà dès le départ, on a un peu fait peur à tout le monde, quoi. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'on a eu droit à un boycottage des radios, c'est-à-dire déjà à cause du nom. Parce qu'il faut savoir qu'NTM, en français, ça veut dire « nique ta mère ». 40 ans de déboire, passé à la lumière du désespoir. Tu peux me croire, ça laisse des traces dans le miroir. J'ai les neurones affectés, le cœur infecté, fatigué de lutter, de devoir supporter la fatalité et le poids d'une vie de raté. Voilà pourquoi je m'isole, pourquoi je reste seul, seul dans ma tête. Libre d'être un esclave en fait, battant en retraite, fuyant ce monde d'esthète en me pétant la tête. Ok, j'arrête net, j'appuie sur la gâchette. Ce dont on parle dans nos textes et dont ne parlent pas les Américains, c'est justement les différences qui existent entre le côté social américain et l'autre. Déjà, il y a l'histoire des ghettos, il y a toute l'histoire des blacks là-bas aux États-Unis, etc. Donc nous, on n'a pas connu tout ça, donc évidemment, les problèmes sociaux dont on parle ne sont pas les mêmes, quoi. Ouais, le racisme, déjà, je pense qu'il est beaucoup plus développé là-bas, mais en plus, je crois que le niveau social, il est beaucoup... bas là-bas, enfin le taux de la misère et tout est beaucoup plus développé, que les blacks sont beaucoup plus touchés qu'en France, le racisme il est beaucoup plus social que de couleur, alors que là-bas c'est vraiment marqué par ethnie. Il y a les blacks là, les portoricains là et les blancs de l'autre côté, quoi. Ma raison d'être est là, underground jusqu'au trépas. Tu contestes, via des bas-fonds, je plafonne et toi compte tes bifetons. Mec, c'est bon, surtout pas dans le sang. T'étais déjà mégalo, on te savait des magos. Je saisis par ce décalage avec ton flow. Fertile, c'est sûr, continue de miser sur mes pestes et mots. Sinon tu vas bouffer de la science, ding ding. Au départ, on a vraiment commencé par là. Parce qu'on trouvait important de raconter ce qui se passe autour de chez nous, quoi. Et puis au fur et à mesure, c'est toujours la même chose, mais après tu te rends compte qu'il y a encore plein de choses à faire aussi, plein de choses à dire, plein de choses à raconter encore. Et puis il y a aussi l'humour, quoi, parce que chez nous, il n'y a pas que des gens qui pleurent ou qui se font chier, quoi. Il y a quand même l'humour qui nous sauve, quoi. Donc il y a aussi tout ça, quoi. Mais la rame du jeu dans un instant, les déménageurs évolués par l'imprenable égocentrique. Être sur scène pour nous.